j'ai apprécié à Esprit School of Business, c'est la courte passerelle entre le monde académique et le monde professionnel. Le choix de l'école a été plutôt par une recommandation de mon réseau et de mon milieu, mais je peux dire que j'ai été satisfaite de la formation fournie dans cet établissement. Le fondement principal de la formation est le travail en groupe. Sur différents projets, des projets de planification de production, des projets de lancement de sociétés à caractère innovant. The concept of Esprit School of Business is that it doesn't get involved when we're looking for internships. However, the various business partners it has. This allowed us to get in direct contact with the professional world and thus understand its needs and how it works. Ça m'a permis de pouvoir apprendre une nouvelle façon de concevoir l'enseignement. Enseignement qui est basé sur les projets. Cela m'a permis de pouvoir travailler en équipe avec mes camarades de classe, me permettre de pouvoir travailler avec des étudiants d'autres nationalités. Son catalyseur étant la digitalisation, qui se trouve ancrée dans l'ADN d'Esprit School of Business. La valeur ajoutée d'Esprit, c'est que tout au long de l'année, nous avons eu le privilège d'assister à des séminaires basés sur des domaines très variés. C'est la contiguïté entre la théorie et la pratique. Mis à part la qualité des enseignements, nous mettons en application tout ce que nous apprenons via les projets intégrés, les business games. Le plus amusant dans tout ça, nous avons réussi à entamer quelques projets, tels que par exemple la création d'une association de junior entrepreneurs au sein de l'université, qui s'intitule ESB Junior Entreprise, qui œuvre en tant que cabinet de consulting. C'est un environnement éducatif très agréable où l'étudiant est au centre d'intérêt.